Ramatou Abdul Hamidou a 14 ans. Pendant 8 mois, elle a fréquenté le programme Ilimine, développé ici, à Madarounfa, dans la région de Maradi, dans le centre-sud du Niger. Madarounfa frappe le visiteur par l'hospitalité de ses habitants et aussi par son beau lac. Mais Madarounfa frappe aussi par le succès scolaire de ses filles qui fréquentent le programme Ilimine, le savoir pour la dignité. Ilimine est un aspect innovateur et révolutionnaire du programme de l'initiative pour les adolescentes du Niger. Développé par le gouvernement en collaboration avec le bureau pays du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Il lutte contre le phénomène du mariage des enfants par la promotion de la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Les filles déscolarisées et même non scolarisées, des filles mariées et non mariées. Donc l'objectif de cette initiative, c'est tout simplement de faire en sorte que le mariage précoce, n'est-ce pas, soit réduit, le mariage forcé soit anéanti et que la grossesse soit retardée. Ramatou Abdul Hamidou est inscrite à Ilimine. Comme une vingtaine de filles de son âge, elle est régulière aux cours donnés par leur mentor, Hassana Ousmane, ici à l'espace sûr de Madarounfa. Les espaces sûrs, endroits sécurisés pour les filles, sont souvent établis dans les centres de jeunes, dans les mairies ou encore dans des concessions privées, selon les conditions de sécurité fixées par les communautés et les partenaires. Ça fait déjà 3 ans que ce programme est en cours ici au Niger et au nombre des résultats atteints, les filles qui ont assisté à ce programme aujourd'hui ont gagné en termes d'autonomie. Et quand nous parlons d'autonomie d'action de ces filles, c'est leur capacité déjà à prendre en charge leur propre corps, leur santé et leur éducation. Avant mon arrivée à Ilimine, je ne pouvais pas parler en public. Aujourd'hui, je peux parler devant n'importe quel public sans me gêner. J'ai aussi appris à parler aux aînés sans les frustrer. Ici, j'ai appris à lire, à écrire et même à coudre. J'ai aussi beaucoup appris sur l'hygiène, sur comment garder mon corps et mon entourage propre. Là, c'est des filles aujourd'hui qui se disent qu'elles ont un droit. Elles reconnaissent bien leurs droits et elles en jouissent parce qu'elles prennent la parole et elles enseignent d'autres filles. Celles qui ont été formées sont prêtes à enseigner encore d'autres filles. Et là, c'est une très grande avancée. À 13 ans, Ramatou a échappé à un mariage précoce que ses parents avaient planifié pour elle. Face à son père, elle a appliqué les leçons apprises ici, à l'espace sûr. Ses cours de vie courante, de capacité financière, d'hygiène, de santé et de santé de la reproduction ont fait d'elle une jeune fille éveillée, informée et pleine d'idées pour son propre développement futur. J'ai dit à mes parents que je n'ai pas encore l'âge de me marier et je leur ai bien démontré les conséquences du mariage des enfants. Devant l'assistance de ses parents, elle s'est maîtrisée et dans le total respect dû aux parents, elle a mieux expliqué les conséquences néfastes du mariage des enfants, ouvrant les yeux à ses parents qui changèrent d'avis. Je suis contente de ce programme. Ma fille a été transformée positivement. Aujourd'hui, elle a appris un métier, elle sait lire et écrire, elle sait se débrouiller et elle sait se défendre. En tout cas, nous sommes très satisfaits. Pourquoi ? Parce que sur beaucoup de plans, nous voyons qu'il y a des avancées. Ici, à l'espace sûr de Magaria, Aïchatou Zassenou, facilitatrice communautaire, est en pleine séance de travail avec des mentors. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont révoltés. Il y a des enfants qui ont dit non au mariage. C'est grâce au programme Ilimine. Et puis grâce aux sessions modulaires qu'elles reçoivent les filles au niveau des espaces sûrs. Parce que dans leur module, il y a des séances qui leur montrent que vraiment il y a des problèmes au niveau de l'accouchement, si la fille n'atteint pas l'âge, tout ça là, le problème des fistules. Et puis vraiment, il y a beaucoup de filles qui ont révolté, qui ont dit non au mariage des enfants. Et surtout sur le plan éducatif, il y a des filles qui regrettent de ne pas aller à l'école.
Aïchatou facilite le dialogue communautaire pendant les séances de débat sur les différents thèmes qui interpellent la vie de la communauté, comme le mariage précoce. Les dialogues communautaires sont de véritables assises pendant lesquelles on s'écoute et on trouve des solutions. Elle se lève poliment, calmement, avec une conscience lucide, parle en public sans honte, mais pleine de regrets. Les témoignages sont forts et touchants. Beaucoup de parents regrettent. Ces débats communautaires ont mené à des transformations radicales complètes dans la vie des populations. Les inscriptions des filles à l'école ont presque atteint 100%. Puisqu'il s'agit d'adolescentes, donc de mineurs, ceci nous a conduit à prendre langue à la fois avec les parents et avec les leaders communautaires afin que nous puissions avoir leur adhésion et leur accompagnement. Il y a un adage qui dit, quand on forme une femme ou une fille, c'est comme si on forme l'humanité, parce que la femme, elle est à l'avant-garde de tout développement. C'est elle qui est la femme, c'est elle qui est la maman, et c'est elle qui est le tout. Donc, ce qui fait que la femme a une importance capitale dans le cadre des actions de développement pour les dividendes démographiques. Sur le plan éducation, nous avons développé, vous avez self-school dans certains établissements, et nous avons parlé avec les chefs coutumiers par rapport au mariage précoce, où nous avons banni, et même celles qui se sont mariées sans notre autorisation, on avait supprimé le mariage pour qu'elles retournent à l'école. Plus la fille est alphabétisée, plus on a quand même une réduction de taux de mariage, plus on maintient les jeunes filles à l'école, plus on réduit le mariage précoce. Le calife Omar, il est venu demander la main de la fille du prophète. Le prophète l'a dit, Mazalat Sagira, elle n'est pas encore mûre pour avoir un mari. Elle est mineure, elle n'est même pas responsable. Elle ne peut pas contracter un mariage. Parce que le mariage là, c'est un consentement entre toi et elle, entre les deux, ce n'est pas entre les parents. Non, non, c'est le consentement entre l'époux et la jeune mariée. Voilà. L'islam ne dit pas qu'il faut marier la fille très tôt, mais il faut tenir compte des facteurs. Est-ce que la fille est mûre, hein? Est-ce qu'elle peut supporter une grossesse? Si la fille n'a pas un âge acceptable, si elle ne peut pas supporter une grossesse, si elle n'est pas dans les conditions de comprendre la physiologie de son organisme, elle ne peut pas faire face. Le ministère des Enseignements professionnels et techniques, qui a aussi sur son agenda l'habilitation des filles, supporte le projet Illimine. Notre département ministériel accompagne ces jeunes filles qui n'ont pas eu pour certaines la chance d'aller à l'école et pour d'autres qui n'ont pas pu poursuivre, de développer des compétences et un savoir-faire qui puisse leur permettre, une fois adultes, de se réaliser économiquement et socialement. Le ministère est en tête de file dans le développement économique personnel des filles du programme. Et cet accompagnement est inspiré à partir du niveau le plus haut de l'État. C'est un engagement fort du président de la République au regard de l'importance de cette composante dans notre population de manière générale. Le ratio garçons et filles au sein de notre population est de 0,31 filles pour un garçon. Malheureusement, ces jeunes filles n'ont pas la chance, comme les garçons, de profiter de tout l'accompagnement que l'État apporte à notre jeunesse. C'est pour cela que notre ministère fait de l'éducation de ces filles une véritable priorité. Habiliter les filles est donc une grande priorité au Niger. Nous apprécions fortement le programme ILMI puisqu'il vient en appui à tous les efforts que le gouvernement fait dans le sens de la promotion de ces jeunes filles. Le défi est énorme et toute initiative qui va dans le sens de soutenir les efforts du gouvernement est à saluer. C'est pour cela que nous souhaitons que ce programme puisse se renforcer davantage en prenant en charge davantage de jeunes filles. La formation que les filles déscolarisées ou non scolarisées reçoivent dans le programme Illimine est complète et efficace. Et ces filles aussi savent qu'il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour se préparer à ce mariage. Et dans la préparation, ces filles savent aujourd'hui qu'il faut à la fois l'éducation, la santé, mais aussi le travail pour pouvoir se marier
et pouvoir apporter quelque chose aussi dans le ménage demain. À plusieurs kilomètres de Maradounfa, à Magaria, Nana est toute heureuse. Grâce au projet Illimine, elle a pu reprendre les études. Je ne peux pas exprimer la joie que j'éprouve en reprenant les cours. J'ai beaucoup pleuré en quittant l'école et à l'idée que je ne pourrai plus m'instruire. Mon retour à l'école va beaucoup m'aider. Je vais avoir un métier pour aider mes parents et aussi aider d'autres personnes. Ses yeux brillent de joie. Et plus important encore, Nana va pouvoir choisir le temps de son mariage et son mari. Je vais m'inscrire à l'école de santé et me marier quand j'aurai terminé mes études, quand j'aurai 24 ou 25 ans.